Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Adonai et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas aux doux jugements, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Car Adonai connaît la voix des justes, et la voix des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. Psaume 1er. Psaume 5. Prête l'oreille à mes paroles, ô Adonai. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Yah. C'est à toi que j'adresse ma prière. Adonai, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Yah qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. Éternel, abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. Adonai, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Adonai, que leur décès amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Adonai, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Alléluia. C'était le psaume 5.